Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Réalisateur, scénariste, producteur, on lui doit les films Le lac de la lune, Hochelaga, Histoire de peine, Burnout ou La servitude volontaire également, Bomb Rush. Alors, mesdames et messieurs, avec grand plaisir, je reçois M. Michel Jeté. Michel, bonsoir. Salut. On peut se permettre de se tutoyer. Bien sûr. Parce que, on sait que pendant plusieurs mois par année, on est presque voisins. Oui. En plus de ça, fait qu'on joue souvent ensemble. Oui. Fait que pour les besoins de la cause, on va se dire « tu », c'est rare que je fais ça, mais il me semble que ça fait plus intimiste un petit peu. Ça va avec notre relation. Et voilà, et vu que l'on se connaît quand même assez bien. Comment est venue à Michel Jeté l'idée d'écrire ou de produire des films? Comment tout ça est venu il y a une décennie et plus, même deux décennies? Mon Dieu, et plus, et quand j'ai dit « et plus oui, », et oui, plus. Oui. Je fais partie des petits nouveaux en ce moment. Non, ça fait... Écoute, moi, j'ai commencé à faire des films dans les années 80, et mon premier long-métrage est apparu dans les années 90. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à faire ce premier long-métrage-là? Je sais pas, sincèrement, moi, je voulais m'en aller en médecine. OK. Et autre chose aussi, anthropologie, des affaires comme ça. Mais finalement, l'appel du cinéma a été pas mal plus fort. Puis, disons-le aussi, les filles sont cute aussi en cinéma. Hein? Habituellement. Alors, ça l'a comme aidé, mais il y avait cette espèce d'urgence-là à conter des histoires. J'ai toujours été un grand amateur de films. En fait, moi, je dis toujours, j'ai fait ma formation à l'époque à Cinéquiz. Ça dit-tu quelque chose? Oui, ça, oui, les oui, années... Oui, oui. Quand j'étais jeune, j'étais atteint de j'étais souvent malade, en fait. Puis je passais mes journées à regarder les films à Cinéquiz. Et Cinéquiz, à cette époque-là, on parle des années 60, c'était des grands classiques qui jouaient là-dedans. Et le cinéma me fascinait à travers tous ces grands films-là. Alors, j'ai décidé d'embarquer, puis Puis j'avais cette rage-là de conter des histoires, puis surtout conter des histoires qui me touchaient, parce que je sentais le besoin, ou en tout cas, je sentais la nécessité de raconter des choses qui pouvaient non seulement toucher aux gens, mais aussi qui pouvaient contribuer à se réveiller sur quelque chose, tu sais, je veux dire. Et les films m'ont probablement aussi aidé à pas faire trop de gaffe dans mes films. Une béquille. Oui, pas tout à fait une béquille, mais je dirais plus un moteur. Ah, OK, un moteur. Ouais. Okay. On fait l'inverse. C'est ça. Voilà, exactement. Michel, Le lac de la lune, c'était écrit ou c'était fait de manière artisanale. Expliquez-nous ça. Le lac de la Lune a été produit, j'ai produit le lac de la Lune avec une maison de jeunes, la maison de l'Est de Laval, et ça a été une contribution assez extraordinaire. C'est des jeunes délinquants, jeunes qui avaient de vrais problèmes sociaux, entre autres, qui, à un moment donné, sous la forme, j'avais été voir un de mes copains qui était à ce moment-là intervenant, j'ai dit « on va faire un projet avec eux autres ». Et lui, il a vraiment capoté et il a dit on embarque là-dedans. Et ils ont même contribué jusqu'à un certain point au niveau financier. Ils ont mis un petit peu d'argent sur ça, nous autres aussi. Et c'est cette contribution-là qui a fait que, avec un directeur photo professionnel, on a pu mettre en marche une production complètement éclatée où les jeunes étaient rendus preneurs de son ou perchistes ou assistants. Tout le monde participait. Exactement. Et ça l'a donné une expérience extraordinaire sur un film qui était un film poétique. Oui. Alors, bien sûr, les jeunes étaient un petit peu déboussolés face au scénario, mais ils étaient enchantés de l'expérience au point que quand ça s'est terminé, ils voulaient repartir sur une autre production immédiatement. Puis le film, bien, il a quand même été sélectionné dans à peu près, je pense, au-dessus d'une dizaine, c'est pas une quinzaine de festivals internationaux. Puis c'est un conte philosophique qui a été tourné en noir et blanc et en 16 mm. Absolument, c'est ça. Alors. Puis une chose que je ne savais pas du tout, la vedette de ce film-là, c'est Guy Provencher. Mm-hmm. Pour ceux qu'on va le situer très vite, Guy Provencher, c'est le fameux Bill Wabo des belles histoires des pays d'en haut. Absolument. Comment vous avez été chercher cet homme-là? Ça, c'est toute une coïncidence, c'est quasiment une synchronicité. C'est-à-dire,
je voulais avoir un personnage, un vieux comédien. Bien sûr, on n'avait pas les moyens de le payer, vu étant une production indépendante, pas financée, etc., ou très peu financée. Alors, je me suis rendu au Chez nous des artistes à cette époque-là, qui était un centre pour les comédiens retraités. Alors, avant de rentrer dans le building, je me suis assis au restaurant qui était en face et je ne savais pas qui aller chercher, je ne savais pas quel comédien qui était pour, que j'étais pour choisir, si j'étais pour en choisir un. Et je me suis dit, puis ça, je te jure, là, c'est vraiment arrivé, je me suis dit, ça serait-tu le fun si mon comédien pourrait apparaître à la porte puis que je pourrais le voir. Et je te jure, 10 secondes plus tard, Bill Wobble, Guy Provencher est apparu dans le restaurant. Il est venu s'asseoir. Ah oui. Et le déclic s'est fait. Je m'étais tout de suite m'asseoir à sa table. Okay. J'y ai proposé le scénario. J'y ai proposé d'embarquer dans l'histoire, toutes les conditions qu'il connaissait. Et sans hésitation, il a dit « j'embarque ». Fait que c'est toute une histoire. C'est toute une histoire, certain. Puis ce film-là a été édité sur VHS, mais jamais en DVD. Ça n'existait pas, je pense, à l'époque. C'était le début, oui. Oui, c'est ça. Okay. Mais c'était un film indépendant. Puis la production de DVD, ça prend un distributeur, ça coûte cher. Nous, on est restés, on a eu un producteur indépendant. C'était la maison de distribution qu'on a utilisée, qui s'appelait à l'époque Cinéma Libre, je me souviens bien. Ça avait été fondé par Marc-André Forcier. Mais c'était une maison de production qui a très peu de moyens et tout ça. Mais par contre, c'est une maison qui aidait beaucoup au rayonnement du film. Ils s'arrangeaient pour que ça soit vu le plus possible dans des festivals. Okay. Et c'est là que ça a été très payant. Parce que c'était un budget de moins de 50 000 $. Oh, oui, puis le budget est arrivé après la production. C'est-à-dire que c'était plus un budget pour finaliser le film, en post-prod. On va aller en 2000 avec la sortie du film « Hochelaga ». Mm-hmm. Mettait en vedette Dominique Darceuil. Ça, c'est le monde des motards. Exact. Mm-hmm. Moi, j'ai suivi vos films. Puis, ce sont des films durs. Mm-hmm. Ce sont des films qui n'est pas apportés à tous les publics. Mm-hmm. Moi, je vous ai suivi, puis... Le film « Hochelaga », on le considère et on l'a considéré comme un grand film. Mm-hmm. Êtes-vous d'accord avec ça? Bien, on l'a nommé comme étant un film culte maintenant, là, mais c'est pas moi qui ai décidé ça. Exactement. Mais vous n'avez pas, je suis certain, vécu vous-même dans un monde de dur, vous n'êtes pas obligé de le dire, sauf que quand on regarde tous vos films, puis on va les prendre un par un tantôt. Là. Histoire de peine, que moi, j'en reviens pas. Là. Ce film-là m'a tellement marqué pour plusieurs raisons. Mais si on revient à Hochelaga, on y retrouve David Boutin, Michel Charette, Dominique Darceuil, Marc Ronald Hull et Jean-Nicolas Véraud, entre autres. Comment on en vient à écrire un film aussi dur, aussi poignant? Moi, je pense que ce film-là s'adressait avant tout aux jeunes, c'est-à-dire aux jeunes hommes particulièrement. Et faut mentionner que ce film-là a été bâti ou a été écrit pendant la guerre des motards. Oui. Alors, ce qui est arrivé, c'est que plus jeune, j'ai pas grandi dans un quartier dur, mais j'ai fréquenté beaucoup de jeunes, d'une certaine façon, qui avaient, disons, une vie assez rock'n'roll, tu sais. Et à un certain moment donné, je travaillais comme entraîneur dans un centre d'entraînement et il y a eu un bonhomme qui s'entraînait là, qui faisait partie des hautes sphères du crime organisé montréalais. Et vous le saviez? Oui, c'est moi qui l'entraînais. Ah, OK. Je contribuais à son entraînement. OK, là, oui. Alors, à un moment donné, j'ai eu le droit au grand show, au grand cirque, c'est-à-dire on s'entendait bien. Et à un moment donné, il me dit « Je vais te faire une invitation, tu viendras voir. » Fait qu'il m'invite et il m'emmène à son club de danse, parce qu'il avait confiance en moi. On avait un lien de confiance. Okay. Il me comptait des confiance choses. Mutuelle. C'est ça, oui, okay. Voilà. Mais bon, ça s'arrêtait là. Et à un moment donné, il m'emmène à son club de danseuse et là, il me montre son lieu de travail. Il dit comme ça que ça se passe. Et après ça, on se retrouve dans un restaurant italien. Et là,
J'étais avec aussi un copain, un autre copain qui était une recrue possible. Et on se retrouve dans une section fermée du restaurant. Il nous amène vraiment ailleurs. Et là, tous les serveurs nous viennent. C'est vraiment, là, on a vraiment l'impression d'être dans le parrain. Là. Et on se fait payer à traite toute la soirée pour, à la fin, pour se faire offrir un travail dans cet univers-là. C'est un travail en premier, de garde, pas de garde du corps, mais plutôt de doorman, okay. qui faisait que ça nous ouvrait les portes à tout l'univers. On s'en allait là, proche de la mafia italienne, puis des motards organisés à ce moment-là. Et bien sûr, ça a été assez fascinant. Impressionnant aussi comme univers, parce que c'est un univers qui était... Il faut le vivre pour voir comment est-ce que c'est éclaté, là. Mais aussi très attirant. Hein. Je veux dire, là, tout est cool. C'est l'argent, le pouvoir, les et femmes. Et tout, oui. C'est ça, tu sais, tout vient. Ben. Et j'ai dit non. Après y avoir pensé pendant un certain temps, j'ai dit non, j'embarque pas là-dedans. J'ai pas une nature criminelle. Je suis pas un gars qui tripe sur l'argent, ni sur le pouvoir, ni des affaires comme ça. Ça fitait pas pantoute avec moi. Mais l'univers m'intriguait. Alors, ce que j'ai fait, c'est quand j'ai écrit au Chalaga, j'ai inventé mon histoire comme quoi, comme si j'avais dit oui. Et c'est comme ça qu'au Chalaga est né. C'est un film comme au Chalaga, est-ce que ça demande beaucoup de recherche? Oui, ça demande tout. Mais je reviens juste très vite. Là. Beaucoup de recherche, mais est-ce que vous aviez une certaine... Je vais essayer de m'exprimer, là. Une certaine peur d'écrire différentes affaires dans ce film-là, parce que c'était le monde des motards. Ils vous ont juste entrouvert la porte. Vous saviez dans quoi vous vous embarquez si vous acceptiez de travailler pour eux autres. Mais là, c'est pas ça que vous avez fait, parce que vous n'étiez pas à l'aise de travailler là-dedans. Mais seulement que là, en voulant faire un film... Là, vous alliez peut-être dans les secrets du motard. Mm. Est-ce que ça vous faisait peur ou bien non, si vous étiez très libre dans ça? Peur de représailles, non. Ce qu'il ne faut pas faire là-dedans, c'est utiliser les noms réels, okay. les codes, les couleurs, les choses comme ça. C'est des choses de base que tout le monde sait quand on se lance dans ces aventures-là, à moins qu'on ait des permissions puis que des ententes. T'sais. La recherche s'est passée beaucoup plus à travers d'autres contacts que j'avais sur des histoires qu'on racontait du début de la guerre, entre autres, de comment ça s'est développé. Des anecdotes aussi que certains gars actifs dans le milieu m'ont aussi raconté. Et tout ça a fait qu'au bout du compte, ben, ça l'a donné une espèce d'amalgame qui et j'ai été chercher à l'intérieur de tout ça ce qui me touchait le plus, puis qu'est-ce qui aurait été le plus probable dans l'idée qu'un jeune embarque là-dedans, qu'est-ce qui aurait pu se produire. Donc ça a comme tissé un fil d'Ariane qui fait qu'au bout du compte, à travers mon expérience et ces faits vécus-là, d'une certaine façon, ça a été la base qui a constitué l'histoire. Fait que vous avez été dans l'histoire, mais seulement sans regarder en arrière de vous. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce qu'il y a des choses que j'aurais pas dû faire? Ça, c'était complètement... Je n'ai pas craint. Vous étiez à l'aise? J'étais à l'aise. Je connaissais quand même... Il y avait quand même un certain risque. Il y a toujours, à l'intérieur de tout ça, tu peux avoir toujours une couple d'illuminés qui décide de faire ses preuves puis de vouloir faire des coups d'éclat, là. Mais... Avant tout, ce qui est surtout important, c'est que quand j'ai écrit au Chalaga, j'ai voulu envoyer un message, ou en tout cas m'adresser à certains jeunes qui pour leur faire comprendre, particulièrement en temps de guerre, mais aussi c'est une business létale, qu'on le veuille, qu'on le veuille pas, là, c'est une business dangereuse, OK? On a besoin de chair à canon. Je veux dire, pour que tout ça fonctionne, on a besoin de soldats sur le terrain. Puis ces soldats-là, quand les événements se corsent, c'est eux qui sont sacrifiés. Voilà, exactement. Et c'est ça que je voulais envoyer. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'après, le plus beau... Le film a gagné des prix. Oui, et le plus beau prix que j'ai gagné, c'est une maison de jeunes, si je me souviens bien, à Montréal,
qui lors d'une rencontre avec des journalistes, m'ont remis une banderole qu'ils ont fait. Ils ont dessiné les grandes scènes d'Hochelaga. Oh, oui. Et ces trois jeunes qui s'en allaient comme strikers dans les motards et qui m'ont dit que suite après avoir vu le film, ils ont décidé ils s'en allaient tous en menuiserie. Parce que ce film-là, on a David Boutin qui a obtenu le prix Jutra du meilleur acteur de soutien. Puis il y a eu plusieurs nominations en 2000 et en 2001. Grand prix des Amériques, Michel Jeté. Meilleure réalisation, Michel Jeté. Meilleur montage son et image. Louise Sabourin, oui, Michel Jeté, meilleur film. Il y en a plusieurs. Ça veut dire que c'est un film qui a été très, très, très apprécié. Juste en terminant pour Hochelaga, il faut dire que c'est un film qui a été fait à petit budget, financé par les deux institutions. Puis ça prenait quelqu'un comme Louise Sabourin, ma productrice, pour pouvoir tenir les rênes de tout ça. Parce que s'il y a du monde, il y a des guns, c'est un film excessivement exigeant. En termes de plus-value au niveau de l'image, là, je peux vous garantir que Hochelaga a fait ses preuves. Louise Sabourin était et un grand plus pour vous. Ah, bien sûr, c'est ma conjointe. Oui. Elle connaît très bien aussi. C'est elle qui a fait le montage, mais surtout, là, à ce moment-là, c'était la production. Et c'était une production complexe avec les moyens qu'on avait. Puis elle a réussi à amener ça jusqu'à bon port. Et félicitations, parce que oui, elle est excellente. Il faut dire en passant. Michel, bon, là, on arrive à Histoire de peine, en 2002. Puis je sais, on en a parlé ensemble. Puis Histoire de peine, moi, c'est un film qui m'a tellement rentré dedans. Là, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un film, d'après moi, le plus dur que j'ai vu de vos films à vous. C'est le monde carcéral tel qu'il est. Puis Emmanuel Auger, dans ça, on sait, joue un rôle extraordinaire. Il y a Paul Dion aussi, que j'ai reçu ici, les deux que vous m'avez si gentiment présenté déjà. Puis, mais le monde carcéral tel qu'il est, qui vous a inspiré? Puis comment on fait pour faire un film comme le monde carcéral qu'on en voit dedans sans que Michel Jeté ait été en prison? C'était écrit avec la collaboration de Léo Lévesque. En fait, Histoire de peine, c'est... Bon, Léo, c'est arrivé après Histoire de peine quand même. Léo a publié un livre qui s'appelle Un conte en coup de poing, qui sont en réalité c'est une série de contes qui ont tous inspiré Histoire de peine. Des personnages, comme la trame dramatique. C'est un livre qui est un livre de chair et de sang. T'sais. C'est un livre qui est excessivement touchant parce que c'est sous forme poétique. Ce sont des contes sous forme poétique. Et ça a été donc un travail d'écriture pendant plusieurs années avec Léo, qui lui, était en prison. Léo a eu... c'est un condamné à perpétuité. Lui était dans le monde carcéral. Absolument, absolument. Il l'a vécu. Et Léo, il faut dire aussi, c'est un gars qui a appris à écrire en prison. Il est rentré en prison au début de sa vingtaine. Il ne savait pas écrire. Il a appris à écrire en prison. Aussi incroyable que ça puisse paraître, il avait le don de l'écriture. Et il s'est retrouvé à écrire des pièces de théâtre. Et sa première pièce de théâtre, quand j'ai dit ça est parti à rire, c'est le titre, a été mis en nomination pour le prix du gouverneur général. OK. Alors, Léo avait vraiment un talent d'écriture assez extraordinaire. C'est un conteur lui-même et son expérience carcérale, elle est assez colossale, là, je veux dire. Il a vécu parmi les pires institutions au Canada, dont le Vieux Pen, ce qu'on appelait le Vieux Pen, qui était une prison. C'était d'une violence à l'intérieur de cette institution-là qui était assez incroyable. C'est une prison à sécurité maximale. Et votre film, Histoire de peine, est aussi, et je dirais, cruel, dans le sens que c'est ce qui se passe dans les prisons à perpétuité, là, que l'on parle. Là. C'est le chef de gang qui veut monter par-dessus tout le monde. Il y a l'autre chef de gang à côté. Ça devient deux gangs. Il y a, entre parenthèses,
des prisonniers qui ne veulent rien savoir, mais qui sont obligés de s'infiltrer là-dedans parce que grand écho, etc. Mais ça prend comment de temps, Michel, faire un film de même? Pour moi, écrire ça, puis faire un film de même, parce que ça demande beaucoup. Je ne sais pas si les gens là, qui l'ont vu, l'histoire de Ben, mais je vous invite à le regarder, puis vous allez voir c'est quoi, là, des bouts, là. On a des frissons, puis on se dit, mais ça se passe-tu de même en prison? Ça se passe de même. Eh bien, il y a eu des événements comme ça. On ne peut pas dire que c'est tout le temps comme ça. Non. Le film Histoire de Ben, c'est un moment de crise dans une prison, c'est-à-dire... j'explore de nouveau le thème d'un jeune délinquant, cette fois-ci, qui rentre en prison et qui est complètement innocent par rapport à tout cet univers-là. Et ce film-là explore comment est-ce que envoyer des êtres, des fois, qui sont coupables de crimes mineurs, des vols, peu importe, on ne sait pas, là, peuvent être transformés en individu cruel, voire en monstre, des fois. C'est pas le cas de mon personnage principal, mais il finit par faire un geste irréparable, on peut dire, à la toute fin. Mais ce qui se passe à l'intérieur de ça, c'est que... l'idée d'Histoire de peine, c'était aussi l'idée d'équilibre, c'est-à-dire ces univers-là fonctionnent dans un certain équilibre. Et quand c'est on peut appeler ça un équilibre de pouvoir, et quand c'est le pouvoir ou cet équilibre-là, il est commence à vaciller par des forces à l'intérieur... Alors, à ce moment-là, il se met en marche des jeux de manipulation monstrueux. Tu sais. Et mon personnage principal, sans le savoir, embarque dans cette mécanique-là. Et encore une fois, où ce qu'il se retrouve, c'est carrément en enfer. Et ça démontre aussi Histoire de peine. Il y a une réflexion sur cette espèce d'humanité qui n'est plus humaine à un certain moment. Et ça fait aussi référence à une chose, à mon sens, qui est bien importante, c'est tout système punitif doit réfléchir, bien sûr, à la punition, mais aux conséquences de cette punition-là. Et ça revient au fait qu'on a vu, particulièrement aux États-Unis, on a vu le système carcéral se privatiser et se durcir à un tel point que ça transforme les individus à l'intérieur de tout ça en êtres qui ont juste appris à survivre pendant tout ça. Exactement. Au lieu de les former, tenter de les aider. Tu sais, Léo a bénéficié à une certaine époque de programmes pour apprendre à écrire, pour pouvoir en littérature, ce qui fait que ça a donné ce que ça a donné. Mais si le système carcéral devient plus monstrueux que les actes criminels d'une certaine façon, ou permet certaines monstruosités, je devrais dire. À ce moment-là, c'est nous qui allons... Déséquilibre, là, à ce moment-là. Les individus se retrouvent complètement scrappés, et c'est la société au bout du compte qui paye pour ça. Parce que dans ce film-là, il y a d'excellents acteurs, comme d'ailleurs dans tous vos films. Je ne sais pas comment vous avez fait pour les choisir, mais c'est marqué, ils sont très bien choisis. Il y a Paul Dion, entre autres. Emmanuel Auger, Manu, que j'ai reçu ici en entrevue. Puis on peut nommer aussi Dino Clavet, qui est dans ça. Dorothée Perriman, qui est là-dedans. Louise Portal, Rémi Gérard, Éric Auziel, de grands acteurs. Non, Louise Portal, Rémi Gérard ne sont pas là. Ah, excusez-moi. Auziel non plus. Auziel est là. Ouais. Auziel était là, OK. Comment on recrute ces acteurs-là? Bien, Paul Dion, il y a certains acteurs, ça allait de soi pour moi parce que c'était une continuité. J'avais le goût de continuer à travailler. Paul Dion, il faut le dire, c'est lui qui m'a présenté Léo. C'est lui qui m'a introduit à Léo Lévesque. Enfin, Paul Dion avait joué dans ses pièces de théâtre avant. Alors, comment qu'on choisit ces acteurs-là? C'est peut-être la question la plus mystérieuse qu'il peut y avoir aussi à un certain moment donné, c'est qu'on les voit. Pourquoi qu'on les voit? Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Je ne suis pas tout à fait capable d'expliquer pourquoi, mais il y a des choses qui transcendent ces gens-là, particulièrement lors d'audition, s'il y a audition, qui fait qu'on rentre, il y a un contact qui se fait. On rentre comme, je pourrais dire, comme en communion, c'est-à-dire que le personnage qui interprète, tout d'un coup, c'est celui que, ou c'est très près de celui, où on sait qu'on va pouvoir l'amener vers celui qu'on a imaginé. Et des fois, même qu'il y a des comédiens qui nous donnent des surprises, qui nous donnent des avenues dont on ne s'attendait pas du tout aussi. Michel, on va
parce que le temps passe très vite. On va passer Bum Rush, là, puis on va revenir à la fin avec, parce que je veux absolument vous parler du film Burnout ou la servitude volontaire. Mm-hmm. Et je vais vous dire ce que j'ai lu sur ça, puis je vais vous demander de le commenter. Un film complètement différent des autres. Mm-hmm. Vous êtes sorti de vos incursions dans le milieu criminel et de vous égarer dans les dédales du drame psychologique et les névroses de la classe moyenne surendettée. Mm. Un tel revirement pour Michel Jeté. Mm. Expliquez-nous ça, s'il vous plaît. Ben, Burnout, c'était la, suite à l'observation, aussi au vécu de ma trentaine, quarantaine, début cinquantaine, oui, c'est ça, début cinquantaine, d'un univers qui, proche de moi, s'effondrait. Je veux dire, des gens que j'étais très près, que je suis encore très près, qui, un après l'autre, tombaient en dépression, en burn-out, certains très sévèrement, de grandes remises en question, des coups d'éclat dans le genre assez incroyable. Mais c'était surtout cette souffrance-là qui était continuellement présente. Et par l'observation de tous ces êtres-là auxquels j'avais beaucoup d'affection, avec lesquels j'avais beaucoup d'affection, ça a résulté en une espèce comment je pourrais dire, j'ai construit ça un peu comme un melting pot, tu sais, j'avais des idées à gauche, à droite et tout ça. Okay. Plusieurs versions, ce que je savais pas trop où m'en aller avec ça, mais... Et à un moment donné, j'ai bâti un scénario, et c'est Manuel Auger qui est venu me voir, puis il me dit, il faut le faire, ce film-là. Et encore une fois, Manu s'est montré très convaincant, j'étais pas sûr... Et j'ai dit, bon, ben OK, on embarque, on le fait. Ça a été un film indépendant aussi, celui-là. Et c'est un film qui se veut une réflexion sur qu'est-ce qui nous emmène, comment est-ce que nous-mêmes, on a le potentiel de fabriquer son propre enfer. Mm-hmm. Alors, et le film est intercalé par des extraits d'Étienne Laboëti, ça aussi. Puis le film, le montage est éclaté. C'est-à-dire qu'une fois que le film a été tourné, on a entrepris un processus créateur qu'on n'avait jamais fait avant. C'est-à-dire qu'on a été sur Internet faire des recherches d'images, des choses en genre-là, des recherches sonores qui nous déboussolaient nous-mêmes. Et que finalement, on a réussi à introduire à l'intérieur comme un peu un film éclaté. Puis les extraits d'Étienne de la Boétie qui proviennent de la servitude volontaire ont été vraiment importants, à mon sens. Puis c'était un petit peu audacieux, parce que faire lire du monde pendant un film, c'est pas toujours très recommandé. Exactement. Et Michel, bon, ce film-là est sorti en 2018, mais il a été présenté en première mondiale en novembre 2017 au Festival international du cinéma en Abitibi-Témiscamingue. Mm-hmm. C'est complètement là, changé. Partir du monde de dur, mm-hmm. puis vous en allez excusez l'expression, dans le mou, mm-hmm. si vous voulez. Puis dans ça, le peu que j'ai vu, parce que je n'ai malheureusement pas tout vu le film, mais le peu que j'ai vu, Emmanuel Dion là-dedans, Manu... Emmanuel Auger, excusez, est vraiment extraordinaire. Oui, oui. Emmanuel est comme... a été, je pense que ça a été un de ses rôles les plus puissants qu'il a fait. Il a été extraordinaire à l'intérieur de ça. Michel, c'est tout le temps que nous avions. Mais on va se revoir en 2023, parce qu'il va y avoir une prochaine émission qui est prévue justement en 2023, puis on va y aborder un sujet très délicat et tellement d'actualité. On le laisse en suspens. Ce n'est pas du cinéma, et loin de là, mais on va se revoir en 2023. Puis on va prendre un petit bout de temps, juste un petit peu pour parler du fameux Bum Rush aussi, qu'on n'a pas eu le temps de parler, parce que c'est un autre film de Dieu. Michel Jeté, ce fut un plaisir vraiment extraordinaire. Puis merci de vous être présenté à cette émission-là. Et en 2023, on se donne rendez-vous. Merci, puis en 2023. Merci beaucoup, Michel. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.